Bon, certains me connaissent a priori ce soir, mais je me présente quand même, donc c'est Luc Tovin. Je suis réalisateur de documentaires. J'ai réalisé plusieurs documentaires en Russie, dont un film qui s'appelle Mirage d'un village russe. Je sais pas si Tu veux pas parler dans le... Pardon, tu veux pas parler Ah dans le oui, micro comme pardon. C'est ceci? vrai que d'un coup vous êtes très proche, alors j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas besoin de trop de micro. Donc, comme je disais, j'ai réalisé plusieurs films en Russie qui parlaient ou de l'histoire ou de la poésie ou russe. Voilà. Et à mon retour, j'ai créé un ciné-club qui s'appelle Le Ciné Le Miroir, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un ciné-club aujourd'hui qui a lieu à chaque fois au cinéma des variétés. Et la prochaine projection que l'on aura, ce sera autour d'un Noël russe. Donc, ce sera un événement intergénérationnel. Vous pouvez venir avec vos petits-enfants, parce qu'il y aura le Ded Moroz, il y aura la Snegurichka, la fée russe, et on va passer pas mal de petits dessins animés de l'époque soviétique, dont Nopagadi, le loup, qui est un peu le loup et le lapin, qui est un peu le Tex Avril, le Tom et Jerry russe, et voilà, qui est très sympathique et souvent que les adultes adorent aussi. Voilà. Donc il y aura cet événement avec un goûter, avec une danse autour du sapin, une ronde, des animations. Donc c'est vraiment un événement qui sera plutôt sympathique et qui aura lieu. Je regarde tout de suite. C'est le dimanche 17 décembre à 15h. Mais il est voilà. Indiqué quelque part. On le remettra quelque part, on fera ouais. Un lien. Au cinéma Les Variétés, le dimanche 17 à 15h. Et voilà, c'est tout un événement. On peut voir juste les films, on peut participer au goûter, on a le choix. Voilà. Bon, ça c'était une petite aparté, mais en gros, simplement pour dire qu'aussi on passe pas mal de films, maintenant à peu près tous les 2 mois, tous les 3 mois, qui font partie du répertoire du patrimoine cinématographique russe. Et soviétiques. Des grands classiques, mais parfois aussi des films plus récents, des films contemporains. Et on essaye toujours de choisir des films qui ne sont pas trop vus, qui sont assez rares en France, et souvent qui ont une patte où il y a vraiment des auteurs, des cinéastes très, très intéressants qui ont mis tout leur style dans le film. Bon, on va commencer notre petite présentation. Aujourd'hui, donc, la conférence, ça sera autour qu'on vous propose, c'est autour de Kino Judaïka. Et j'ai donné comme titre, peut-être comme sous-titre, La fabrique des images. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Ça va, parfait. Kino Judaïka, donc c'est à la base, on parle de cinéma juif. Il y a eu un formidable livre sur lequel je m'appuie, puisque, comme vous l'avez compris, je ne suis pas spécialiste. Je suis avant tout un passeur, un passionné de cinéma russe et soviétique, et aussi de la culture russe, tout simplement. Donc, Kino Judaïka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ouvrage collectif, réalisé à la fois par des intellectuels critiques russes et des intellectuels français, dont Valérie Posner et Natacha Laurent, qui est responsable à la Cinémathèque de Toulouse, je crois, de tout le fond soviétique et russe. Voilà, donc c'est un ouvrage formidable. Et si vous voulez plus d'amples informations là-dessus, après la conférence, voilà, vous pouvez vous intéresser à ce livre, qui est très, très complet, très exhaustif. Voilà. Donc, quand on parle de Kino Judaïka, de cinéma juif, en fait, c'est de cinéma à thématique juive, c'est-à-dire où il y a des sujets, des personnages juifs. Donc c'est pas toujours évident en fait de définir parfois, mais bon, comme vous allez voir quand même, il y a des choses assez évidentes, notamment parmi les extraits qu'on va vous passer aujourd'hui. Moi j'ai choisi d'intituler La fabrique des images parce que à la fois on va parler des représentations des juifs à travers le cinéma russe et soviétique, donc à travers l'histoire du cinéma russe et soviétique, et on va s'intéresser plus particulièrement à la période juste avant la Révolution,
Ensuite, à la période après Révolution, donc de 1917 jusqu'à 1930, en gros. Et puis, et là, j'ai pas mal d'extraits à vous montrer sur cette période-là. Et puis ensuite, on s'intéressera, pour, parce que évidemment, il y a beaucoup trop de choses à vous montrer, beaucoup trop de c'est très très riche. Du coup, je vais m'intéresser plus particulièrement à Mikhaïl Rom, qui, lui, a traversé le cinéma soviétique et a été un réalisateur, un cinéaste très important et qui a beaucoup apporté au cinéma soviétique et en même temps qui est un personnage vraiment emblématique par rapport à la question qu'on va aborder aujourd'hui, qui est de la judéité, mais face au système soviétique. Voilà. Alors, justement, pour poser un peu cette problématique, il faut comprendre tout de suite, au niveau historique, la place centrale de la révolution de 1917, les Juifs vont tout d'un coup obtenir des droits légaux, comme les autres, en gros, être des citoyens à la même échelle, au même niveau que les autres, que les Russes. Et donc c'est un événement important qui va être assez déterminant pour les Juifs et notamment aussi pour le cinéma juif. Donc il y a un avant la Révolution, dont on va parler à l'instant, et puis il y a un après la Révolution, où en effet, donc la Révolution derrière, ce que ça voulait dire, c'était être révolutionnaire, c'était normalement, en tout cas de manière évidente au départ, ne pas être antisémite, en tout cas être contre l'antisémitisme. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on va constater par la suite, mais si on se rappelle du discours de Lénine en 1919 contre l'antisémitisme, c'était vraiment le projet, il était là, et il était évident que pour lui, l'antisémitisme, c'était quelque chose dans son discours qui était, on pourrait dire, qui datait de la période féodale, justement, qui était liée au tsarisme, au pogrom, à tout ce qui s'était passé avant la Révolution, et que, donc, du coup, être révolutionnaire, c'était être émancipé, et donc, bien sûr, ne pas être identifié à ce genre de comportement, d'attitude, de pensée haineuse envers les Juifs. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va voir par la suite, c'est que, bien sûr, il va y avoir une politique très ambivalente, qu'on pourrait dire même hypocrite, mais il y aura différentes périodes dans cette histoire par rapport à la politique et à l'instrumentalisation du cinéma par rapport aux Juifs. Mais la problématique qu'il va y avoir, c'est la coexistence, justement... je vais revenir juste à l'ambivalence, excusez-moi... À l'ambivalence justement de cette politique, parce que à la fois il y avait une reconnaissance qui se mettait en place, mais en même temps une planification d'une assimilation complète, en fait. Il y avait une place centrale, on donnait une place centrale au niveau politique aux Juifs, mais de l'autre côté, on mettait en place une politique de liquidation des mouvements bondistes, donc des mouvements révolutionnaires juifs, des mouvements sionistes et des mouvements aussi sionistes socialistes. Voilà. Donc, encore une ambivalence. À la fois, on voulait développer la culture yiddish, et c'est ce qu'on mettait concrètement en place dans le début des années 20, mais de l'autre côté, une destruction de la culture en hébreu, qui était, du coup, l'hébreu qui était trop lié, justement, au rituel, à la religion, et du coup, avec un refus et une volonté de détruire toute la culture en hébreu. Et puis, voilà, donc un peu pour parler un peu de ces ambivalences, dans lesquelles vont se retrouver, évidemment, les cinéastes juifs qui vont devoir se définir par rapport à ces questions et à cette politique mise en place. Voilà. Se définir, parce que pour beaucoup de cinéastes juifs de l'époque, c'est ce qu'on va voir même dès les années, même avant la Révolution, donc c'est plutôt des personnes qui sont
éduqués, qui ont déjà tout un background culturel, et puis qui vont... excusez-moi, je vais finir ma pensée. Et donc qui participent à la révolution, mais dans le, on sait bien que dans le parti bolchevique, il y avait énormément de juifs, et qui y croient dur comme fer, et qui même, à la limite, parfois, y mettent du zèle, c'est-à-dire que, qui vont être plus bolcheviques que les bolcheviques. Voilà. Et quitte à renier sa judéité. Voilà. Parce qu'en effet, il y avait cette question qui était en jeu, encore une fois, comme je le disais, c'est, voilà, ça voulait dire oublier le calendrier, le Shabbat, Kippour, oublier tout ça, oublier le shtetl et toutes les traditions qui vont avec. Donc c'était renier quand même une grande part de la culture juive qui constituait la culture juive, donc ce qui était très problématique. Voilà. Donc, et vous allez voir avec l'exemple de Michael Rom, c'est très parlant et très significatif. En tout cas, cette problématique, elle est vraiment posée concrètement. Bon, on va commencer à regarder quelques extraits, mais du coup, il faut parler de la naissance de ce cinéma et du contexte dans lequel il va naître. Déjà, avant la Révolution, le cinéma russe a du mal à être légitimé, je dirais, au niveau national, sur le plan culturel, puisque c'est des firmes nationales françaises ou allemandes qui dominent le marché, qui se sont installées dès les premiers temps, dès le début du XXe siècle, qui s'installent en Russie, Pathé, Gaumont, qui sont les premiers à venir filmer, qui installent leur firme et leur maison de distribution, et qui, donc qui vont dominer le marché. En fait, il y a une histoire, on va dire, parallèle qui va se passer, c'est-à-dire que le cinéma russe qui essaye d'exister face aux firmes françaises et allemandes, et en même temps, la population juive, en tout cas, qui sont dans les zones de résidence, donc on pourrait dire dans des formes de ghetto, qui, elles aussi, veulent être reconnues, qui veulent être aussi légitimées, comme tous les citoyens en Russie à l'époque. Et du coup, ces juifs qui n'accèdent pas d'ailleurs aux écoles du coup russe, puisqu'ils sont assignés à cette zone de résidence, ils vont partir, bien sûr, pour les plus... aisés, les plus éduqués aussi, et qui vont partir, par exemple, en France, se former, étudier, et qui vont créer aussi, avoir des liens, du coup, avec Pathé et Gaumont, et qui vont être des représentants, même, par exemple, pour Pathé et Gaumont, qui vont créer, c'est eux qui vont mettre en place ces firmes Pathé et Gaumont dans l'Empire russe de l'époque. Voilà. Donc, juste... en gros, pour résumer, il y en aura quelques-unes. Donc, les trois, on va dire, les espaces qui sont dominés par les juifs, ou en tout cas, il y a plus de populations juives, c'est Varsovie, où il y aura les studios Cosmofilm. Il y aura bien sûr Odessa, avec le Mirographe, dirigé par Miron Grossman. Les studios Mintus à Riga, et Mintus aussi, il y aura des studios à Varsovie et à Rostov aussi. À Kiev, il y aura les studios Svetoton. Donc, en gros, voilà, ces studios, ils vont être installés en gros en Ukraine, on va dire dans le royaume de Pologne de l'époque, et voilà. Donc j'ai dit Varsovie, Odessa et Kiev et Riga, donc en Biélorussie bien sûr, puisque c'est la Biélorussie, c'est la république qui aura le plus grand pourcentage de population juive par rapport à la densité de sa population. Voilà.
Donc eux, ils vont être vraiment, ils vont avoir un rôle, excusez-moi, c'est énorme, ils vont avoir un rôle très important, justement, pour faire exister ce cinéma russe, puisqu'ils vont non être à toutes les étapes du film, autant distributeurs, exploitants, cinéastes, à tous les niveaux, ce sont globalement et majoritairement des juifs qui vont être à ces postes-là et qui vont structurer le cinéma russe, qui vont le faire exister et qui vont lui permettre d'être légitimé. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui se passe juste à ce moment-là, c'est que tout d'un coup, l'intelligentsia russe de l'époque s'intéresse à la culture juive et à leur mode de vie d'une façon qu'on pourrait dire presque exotique, mais il y a une vraie curiosité. Et puis ce sont des gens dans cette intelligentsia qui rejettent toute la politique antisémite du tsar et qui rejettent par exemple les pogroms de 1903-1905, les pogroms de Kishinev, qui vont vraiment critiquer tout cela, et donc qui sont très demandeurs. Et l'autre terrain qui est favorable aussi à ce cinéma juif, c'est quand même à ce moment-là, donc entre le royaume de Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, ça, en gros, on a une population juive dans les zones de résidence à peu près de 5 millions de juifs. Donc ce qui fait quand même un vrai public qui sont très intéressés, très enthousiastes, parce que le cinéma, eux qui sont dans une zone de résidence, et bien tout d'un coup c'est une fenêtre sur le monde aussi, c'est une fenêtre sur le monde pour découvrir le monde, mais c'est une fenêtre sur le monde aussi pour se montrer au monde et justement obtenir une forme de reconnaissance. Voilà. Donc ça sera, on va dire, un terrain favorable pour tout cela. Alors je vous montre justement, excusez-moi, je parle beaucoup et après on va regarder beaucoup d'extraits. On va regarder justement un extrait du premier film, qu'on pourrait dire, du cinéma juif, de André Maître, en fait, et Kai Hansen. Donc là, vous voyez, c'est bien des réalisateurs de films étrangers qui vont réaliser un film qui s'appelle, j'ai mal le prononcé, Chaim. Alors la traduction, ça serait « à la vie ». Comment on pourrait bien le dire ? À la vie. À la vie, voilà. Mais en russe, Chaim, comment... C'est des breux. Ah, c'est des breux, voilà. Là, vous m'excusez, je suis incompétent là-dessus. Alors, voilà. Et juste avant de montrer l'extrait, il faut savoir que Chaim, ça va être un événement déclencheur, parce qu'il va rencontrer un énorme succès au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est un film qui va beaucoup circuler, qui va beaucoup plaire, et qui va tout de suite définir aussi un certain cinéma juif pour l'époque, qui, vous allez voir, a une tendance plutôt mélodramatique. Et c'est un film, tout d'un coup, qui répond, qu'on pourrait dire, en tout cas, qui a été caractérisé par la presse, qui a été défini par la presse comme un film universel, c'est-à-dire tout d'un coup qui s'adresse aussi bien aux juifs de la zone de résidence que au public russe. Et vous allez comprendre pourquoi, peut-être, à travers ce petit extrait que je vais vous montrer. Alors, on peut éteindre la lumière. Cinéma muet, c'est bien, on n'a pas besoin de traduction. Je peux vous dire le synopsis pour peut-être mieux comprendre le film en même temps. Une jeune fille courtisée par deux hommes dont l'un est employé de l'autre. On la marie à celui qu'elle n'aime pas, choisie par son père car il est plus riche. Elle finit par le quitter pour son amant avec l'enfant qu'elle a eu de son mari. Celui-ci tombe dans la déchéance, se met à boire. Donc c'est celui que vous voyez, vous avez vu juste avant. Un jour, une femme riche frappe à sa porte, demande un verre d'eau pour l'enfant qui l'accompagne, et tandis qu'il est sorti de la pièce pour quelques instants, s'en va avec sa fille. Il découvre,
de qui il s'agissait en trouvant le mot qu'elle a laissé sur la table. Canettes. Alors, on peut reprendre simplement, bon, on va enchaîner assez vite. On voit tout le côté mélodramatique, évidemment, mais déjà on voit une certaine représentation, en effet. Voilà. Le côté universel, je ne sais pas si vous le voyez, évidemment, c'est juste cette histoire amoureuse de tromperie, de personnes qui se retrouvent seules dans la déchéance. Et, voilà, donc ça, ça peut parler à tout le monde, cette histoire d'amour et de déchirure. Et en effet, ça va beaucoup séduire. Alors, tout ce cinéma, ils ont des moyens quand même. Ils arrivent à trouver des moyens importants qui viennent justement des firmes étrangères. Il y a souvent des comédiens très connus qui jouent dans ces films, des très connus pour l'époque, Mozhoukine, Nicolas Radin, Raïssa Raïzan, Boris Borisov, on pourrait dire que c'est vraiment les stars de l'époque. Les sujets juifs, ils sont quand même affichés. Et puis, ce sont souvent des films inspirés des pièces de théâtre à succès, qui sont, comme on le disait, dirigés à la fois vers le public russe et à la fois vers le public juif dans les zones de résidence. Voilà. Pour la plupart, en général, ils sont toujours comme ça, avec un ton assez mélodramatique. Il y a peu de films comiques, mais il va y avoir une transition au moment de la guerre, parce que alors que c'est une période pour le cinéma russe qui va permettre de mieux légitimer le cinéma russe, tout simplement parce qu'on n'importe plus des films étrangers, ça ne sera pas une très bonne période pour le cinéma juif. Tout simplement parce que les juifs vont être soupçonnés de contre-espionnage. Et donc, on va créer à ce moment-là des films qui sont plutôt, à la limite, on passe dans le film d'aventure. Et je vous montrerai un extrait juste après, d'un film qui s'appelle, où ils ont fait toute une série sur 100 cases à la taille à Ruchka, de Yuri Yurievski, qui est une criminelle juive qui vole, qui tue ce qu'elles veulent. Voilà. Alors, juste pour cette période-là, il faut bien comprendre que le cinéma juif, il va avoir différentes fonctions. Hein. À la fois une fonction, on pourrait dire, auto-réflexive sur soi-même, même auto-critique, parfois dans certains films. Il va y avoir une fonction aussi pour les studios Misra, par exemple. Il aura c'est les seuls qui ont vraiment un objectif aussi politique, qui est de réunir déjà tous les juifs de la diaspora juive dans le monde autour du projet sioniste, et aussi de faire découvrir comment les juifs en Russie vivent, etc. Et donc, voilà, ça va donner par exemple lieu à un film qui s'appelle Jivni Yevrev v Palestine, donc la vie des juifs en Palestine, qui pourrait être, qu'on peut dire, un peu documentaire. Donc je vous en montre un extrait. C'est lequel année ? Et qui date de 1913, donc pas longtemps après, mais voilà, là qui tout d'un coup a une autre fonction que, on pourrait dire, une fonction qui a plus une fonction de divertissement. Et Misra, en fait, c'est d'autres studios qui ont fait ce film-là. Misra, juste derrière ce film,
va faire un autre film qui s'appelle « La vie des Juifs en Amérique ». Voilà. Et justement, qui montre l'Amérique comme un pays de, plutôt de transition vers la terre promise en, en Palestine. Excusez-moi, des qualités parfaites. C'est le volant, quoi, derrière. C'est pas du tout écrit en russe, là, du coup. C'est pas du tout écrit en russe ? Oui, c'est écrit en français. Non. C'est en anglais, vrai. D'accord, donc il y a eu une traduction, c'est ça, ils ont rajouté des panneaux, en fait, je pense. Mm. Comme ces films ont, ont été présentés justement dans plusieurs expositions de Kino Judaïka à la Cinémathèque, je pense qu'ils ont rajouté justement ces éléments après coup. Dans ce film, là c'est juste un extrait, mais on montre le départ, le voyage vers la Palestine, puis on montre les écoles, on montre vraiment l'agriculture, on montre vraiment différents, à peu près tous les éléments, voilà, avec à chaque fois des titres qui annoncent les thèmes abordés. Voilà. Aussi, je vais vous montrer un autre extrait. Là, il s'agit des studios, plutôt des firmes étrangères. Alors, c'est intéressant, justement, ce que montrent les films étrangers, mais dirigé notamment par un Russe qui s'appelle Khan Jankov et qui va plutôt travailler autour de sujets exotiques pour le public russe. Voilà. Et ils vont réaliser un film qui s'appelle « Le malheur de Sarah ». Qui va quand même avoir un bel écho, qui est réalisé en 1913. C'est un mélo russe exploitant l'exotisme des règles traditionnelles de la vie des communautés juives. Un couple sans enfant est contraint, au bout de 10 ans de vie commune, de se séparer. Mise en scène du conseil des anciens, chagrin des époux, soumis à l'inhumaine loi. Le mari, joué par Mozhoukine, finit par mourir. On s'aperçoit même un peu tard que Sarah attendait un enfant. Donc là, qui est, on pourrait dire, avec une fonction là plutôt critique, mais comme vous le voyez, c'est une firme étrangère, c'est un dirigeant russe qui propose ce film. Voilà. Donc, un extrait du malheur de Sarah, de 1913, d'Alexandre Arkadov, qui est un cinéaste juif. Et qui a lui-même proposé, par contre, le sujet à Khatchankov.
Alors, ensuite, il va y avoir un autre film, et là, une autre fonction du cinéma qui va être l'une des principales, en fait, c'est à la fois de témoigner et de dénoncer les discriminations et l'antisémitisme. Alors, l'un de ces films, par exemple, ça va être Où est la vérité ? La tragédie d'une étudiante juive, de Evgeny Slavinsky. On est en 1913, et qui va en fait évoquer le pogrom de Kishinev, donc en 1903, et qui raconte l'histoire d'une étudiante juive qui, comme elle ne peut pas accéder aux écoles, va sortir de la zone de résidence, mais va s'enregistrer en tant que prostituée. Et donc, du coup, elle va être confrontée à la police, et elle va finir par se suicider. Ce qui était aussi, pour l'époque, un moyen, en fait, à travers la culture juive, à travers les juifs, justement, des personnages juifs, c'était un moyen aussi, pour l'époque, de montrer des choses au cinéma qu'on ne pouvait absolument pas faire par rapport à la religion orthodoxe. Par exemple, montrer un personnage qui s'est suicidé. Voilà, c'était des choses vraiment qui étaient absolument impossibles, à part en parler à travers, justement. Voilà. Alors, je vous montre Gdzie prawda de 1913, Où est la vérité ? La tragédie d'une étudiante juive. Et donc c'est une jeune fille aussi, pourquoi ça parle du pogrom de Kishinev ? Parce que c'est une jeune fille qui est livrée à elle-même, qui a perdu ses parents justement lors du pogrom. En repensant justement au pogrom de Kishinev et à ses parents. Alors toujours justement avec ces réalisateurs, ces cinéastes aussi qui s'emparent du moyen cinéma pour dénoncer les discriminations, on revient aussi sur des histoires passées comme le procès Bélis, qui était un peu l'équivalent aussi de l'affaire Dreyfus. Le procès fait à Menahem Mendel Bélis à Kiev en 1913 sous la charge de crimes rituels contre un jeune chrétien fut monté de toutes pièces par le pouvoir tsariste. L'innocence de Bélis ne fut reconnue qu'au terme d'un long combat. Voilà. Je vous montre un extrait de ce film qui a été réalisé, pour le coup, en 1917. On n'aurait jamais pu le montrer, justement, avant 1917. C'est dans cette vague, justement, d'émancipation que tout d'un coup, on peut sortir ce film et parler et évoquer, justement, l'affaire Bélis. Excusez-moi pour la qualité.
merci. Donc voilà, donc il y aura différents films dans cette période-là, 1917-1918, qui justement vont s'attaquer, vont dénoncer ce qui s'est passé avant la Révolution. Il y aura des films aussi, par exemple, pareil par rapport à l'affaire Davis, il y aura un autre film qui s'appelle Vera Tcheviriak, une sanglante plaisanterie. Par rapport aussi à d'autres crimes qui ont été commis, notamment par la commission du général Batyushin, en fait, qui venait dévaliser, on pourrait dire, les juifs fortunés, en tout cas plus fortunés que les autres. Il y a des films comme en 1918, Chantage d'État, par exemple, ou en 1917, Nous ne sommes pas coupables du sang versé de Borscht Tomaszewski. Voilà. Pour continuer, on va passer maintenant dans les années 20-30, où là on va voir aussi toute une évolution, et on va le voir plutôt sous l'angle, on va se projeter en Biélorussie, donc où, comme je l'expliquais, Biélorussie, donc qui est la République déclarée en 1918 de manière très chaotique, mais où il y a le plus grand pourcentage de population juive. J'avais noté les chiffres, je les trouve pas tout de suite. En Biélorussie, où il va y avoir une situation un petit peu délicate, c'est-à-dire c'est une république où le cinéma n'existe pas. Il n'y a aucun fondement culturel, il n'y a aucun studio, en gros, ou en tout cas pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Et tout d'un coup, il s'agit de créer des studios, une industrie cinématographique. Et dans la mouvance de la politique des nationalités de l'époque, qui était donc de faire coexister le côté multinational de la République. Voilà. Et dans cette Biélorussie, qui est un État multinational, qui reconnaissait à ses minorités une égalité en droits nationaux et autonomie culturelle sans équivalent. Sans équivalent, notamment par exemple par rapport à l'Ukraine. Voilà. Mais ils auront un problème indissoluble à résoudre, une équation qui est garantir l'égalité des cultures nationales tout en affirmant la primauté de la culture biélorusse. Superbe. Voilà. Mission impossible. Voilà. Et donc, il va y avoir aussi une grande difficulté, c'est que du coup, ils doivent. Comme ils doivent faire exister ce côté multinational, ils doivent garantir l'égalité des cultures nationales tout en affirmant la primauté de la. Moi, je l'ai déjà dit, pardon. Une égalité en droit. Oui, ils doivent aussi donc faire exister ce cinéma juif. Voilà. Mais comment le définir? C'est une autre affaire. Surtout qu'à l'époque, en 1925, est créé ce film qui s'appelle Le Bonheur juif d'Alexei Granovski, donc là qui est plutôt un film soviétique, qui n'est pas un film biélorusse, qui va avoir plutôt un très bon accueil, mais où justement les Biélorusses vont devoir se définir par rapport à ça en disant mais la critique qu'on peut lui faire, c'est que c'est quand même très russo-centré. Nous, on a besoin de notre cinéma d'affirmer notre côté biélorusse. Et c'est trop emprunt des classiques, parce que c'est une adaptation littéraire. Donc, il faut laisser tomber les classiques. Ça date d'avant la Révolution. Il faut qu'on ait nos écrivains biélorusses et juifs, mais de Biélorussie. Et c'est pas assez révolutionnaire. Alors, on va quand même regarder un extrait de ce Bonheur juif. Et donc, il va avoir un accueil très positif, où il a un grand talent qui s'appelle Cholem Alek. Cholem Alekhem. Merci. Isaac Babel. Qui est l'écrivain. Oui. Qui est l'écrivain, qui est scénariste, qui fait l'adaptation. Et la maestra de Michols, acteur. Salomon Michols. Qui sera assassiné. Thank you.
C'est une scène assez drôle, en fait, où ils veulent marier donc, des époux, mais malheureusement, l'un des personnages s'est trompé et ils ont chacun une femme de chaque côté, deux fiancées. Ok, voilà. Donc voilà, il y a ce film qui existe. Et donc en Biélorussie, on va réaliser un premier film, comme on dit, de cinéma juif, qui s'appelle Son Excellence, qui est de Grégory Rochal. Ça va être en 1929. Donc vous voyez, quand même, il se passe un peu de temps, sachant que le Vaudeville juif, c'était en 1925. Et avec Son Excellence, c'est vraiment un film qui est destiné à être un succès. Tout le monde pense que ça va être un succès. Il y a des acteurs très connus pour l'époque, Leonidov, pardon, Maria Sinelnikova, et un réalisateur qui est en train de monter sur la scène, est en train de devenir connu, Grégory Rochal. C'est un film qui va s'intéresser à une histoire vraie, basée sur une histoire vraie, qui est l'attentat contre le gouverneur général de Vilna par un ouvrier juif, membre du parti juif Bund, qui s'appelle Hirsch Leder, qui donc deviendra un héros populaire, national, un symbole vraiment du mouvement ouvrier.
et qui était à la base cordonnier juif bouddhiste. Voilà, c'est un scénario biélorusse et qui parle d'une minorité nationale. Donc a priori, il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, que ça soit dans les canons de l'idéologie qui est en place, mais malheureusement, ça ne va pas marcher, il sera assez critiqué par la presse, notamment par rapport aux personnages, dans leur dimension religieuse, la véracité des personnages, dans leur dimension religieuse, nationale et sociale. Il sera critiqué du fait, pour eux, il y a une atténuation de la lutte des classes, et notamment, vous allez le voir dans l'extrait, parce qu'il y a un personnage de rabbin, qui, pour eux, justement, représente le nationalisme clérical juif. Voilà. Et du coup, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a un effacement du côté biélorusse, destiné, et que ça serait un film destiné uniquement à un public ouvrier juif. Voilà. Donc, je vous montre le film. Donc, encore une fois, Son Excellence, qui est basé sur cette histoire vraie de Hirsch Lederoth. J'ai réussi à lire que c'était le 1er mai, mais j'ai pas lu toute la phrase. Ici, on a peur des pogroms, on prie et on supplie. On a pris des mesures. Je rejette les rebelles et je les maudis pour les siècles des siècles.
Et un autre passage où on voit à nouveau le personnage qui posait problème du rabbin. Même s'il ne satisfaisait pas l'idéologie, c'est un très beau film et comme vous voyez, on peut saluer le travail du chef opérateur. Une manière de filmer les gros plans, quand même, qui est assez exceptionnelle, je trouve. Alors, mais continuons dans notre thématique. Alors, donc, ça ne fonctionne pas, comme je vous le disais, le film est assez critiqué. Donc, on fait une nouvelle tentative, un peu plus tard, trois ans après, en 1932, avec le retour de Nathan Baker, de Rachel Millman. Donc, après 28 ans d'exil, le maçon Nathan Baker revient dans son shtetl natal, en Biélorussie, où il retrouve son père. Donc c'est vraiment l'idée du retour de l'enfant prodigue. Ça arrive, il faut quand même resituer au niveau historique, juste avant, en 1929, on est dans cette nouvelle politique d'un socialisme dans un seul pays, et de montrer justement le succès de l'industrialisation et de l'émulation socialiste. Donc ce film, justement, vraiment s'inscrit tout à fait dans cette vision politique, on pourrait dire. Mais, lui aussi, il sera aussi quand même critiqué, même si on va y voir des choses positives. Alors, le côté positif, ça va être, ça y est, on est en train de voir naître le nouveau juif soviétique qui s'est transformé grâce à leur insertion dans l'industrie. Donc, ça, c'est pour le côté positif. Et puis, la critique, c'est que on suggère quand même la difficulté des soviétiques à réformer le shtetl, vu ici comme une vieille bourgade juive. Alors vous allez voir justement un extrait, et en effet, on voit bien apparaître dans cet extrait le côté vieille bourgade qui leur a pas plu en fait. Parce que là, en 1932, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on s'émancipe, même plus, 15 ans qu'on s'émancipe et on en est toujours là. Voilà, c'est un petit peu ça leur réflexion et leur critique.
se sont traduits ou pas? Non. Où vous travaillez? Avec une machine comme ça? Des troupes en fait pour participer à la construction, à l'industrialisation du pays. Après, on va suivre l'histoire de Nathan Baker qui, comme je vous le disais juste avant, va comprendre que c'est beaucoup mieux en URSS que aux États-Unis, en Amérique. Donc on a une autre scène que je voulais vous montrer un peu plus loin. On est justement avec le personnage de Nathan Baker. Où il y a son père, voilà, qui le regarde au cirque. Et lui, d'une certaine manière, qui va participer, qui participe devant les yeux de son père à cette formidable industrialisation, construction du pays. On va y arriver en 1936 avec Les chercheurs de bonheur, ce film de Vladimir Korch-Sabin, qui sera un grand succès populaire, qui sera joué avec comme interprète Miros, donc on va le retrouver. Il sera salué aussi au niveau de son humour, qui est vraiment mordant, de sa musique, et surtout au niveau idéologique. La presse dit que vraiment c'est un abandon de l'ancien mode de vie juif et la naissance d'un nouveau juif, et qui parle en plus notamment du sujet du Birobidjan, donc cette fameuse république autonome que crée Staline et qui était déjà aussi un projet de Lénine. Donc voilà,
aboutissement, on le voit comme quelque chose d'heureux et très positif. Alors on sait qu'aujourd'hui, je crois au Birobidjan, il y a 1% de la population juive, donc qui était, on va dire, quand même un véritable échec par rapport au projet initial. Juste que je vous lise quand même peut-être le résumé. Donc je vais vous passer déjà l'extrait. Et alors là, tout le monde est heureux en fait de ce film. Tout le monde s'est retrouvé. Film de fiction consacré à l'établissement des Juifs au Birobidjan. Pardon, je crois que je vais l'arrêter parce que sinon on ne pourrait pas comprendre la situation. Des Juifs au Birobidjan. Il place au centre de l'action une famille revenue des États-Unis pour s'installer dans cette Palestine des confins extrêmes orientaux du pays. Tandis que la famille intègre rapidement les valeurs et le mode de vie à la soviétique, Pigna continue de chercher de l'or pour faire fortune en traversant la frontière chinoise. Et il est prêt à écarter quiconque se mettra sur son chemin. Mal lui en prendra, car la police politique veille. Et là, justement, il a trouvé l'or, et malheureusement, il est à côté aussi d'un Russe qui est, lui, particulièrement intéressé aussi parce qu'il vient de... Du sable en or. Quoi ? Incroyable. Mon Dieu. De l'or. Tu crois que c'est vraiment de l'authentique or ? Oui, c'est de l'or. Oui, c'est celui que j'ai rêvé toute ma vie. Bon, j'ai rêvé toute ma vie. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux acheter, je ne sais pas, une fabrique. Et tout le monde va venir acheter dans ma boutique. J'aurai ma marque pour ma fabrique. Pigna. Avec mon nom. Pigna. Pigna Kopman. Pigna Kopman. Carole. Le roi. Patiage. Patiage, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, Salamonovitch? Lev Salamonovitch. Vous avez trouvé de l'or. Maintenant, vous êtes vraiment un personnage le plus important parmi nous. Pour le pays. Vous allez être inscrit dans tous les journaux, dans toute la presse. Ah voilà, dans la région autonome de Birobidjan, on va parler que de vous. Avec cet or. Je vais le vendre aussi aux Chinois. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de très intelligent. Bon, d'accord. Mais personne ne doit entendre parler de ça. Ça doit rester entre nous.
Vous guérissez. Tiens. Vigna, я думал, вы воды, а вы еще не разовец. Прощай, но. Что это значит? Qu'est-ce que tu fais? En gros, ça ne t'appartient pas, ça appartient à la collectivité. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais c'est mon ordre. C'est moi qui. J'ai même pas dormi. J'ai travaillé comme un fou pour l'obtenir. Donne-moi mon ordre. C'est à moi. Oui, alors contre la volonté des pères, je vous lis le synopsis. Dans les années qui précèdent la révolution de 1905, l'histoire de deux familles juives de province dont les pères ont choisi l'un la voie de l'assimilation tandis que l'autre reste fidèle à la tradition. Leurs enfants, partis faire leurs études en ville, prennent part à la fièvre révolutionnaire. Les événements de 1905 arrivent et la vague de pogroms n'épargnera personne. Inspiré d'une œuvre de Scholem le film fut remonté à partir des roches du film Maboul, qui avait été interdit.
cette manifestation, on sait ce que c'est. Il y a écrit liberté sur l'affiche. Oui, c'est des manifestations révolutionnaires, justement, avant 1905. Je suis blessé. Et dans le film, derrière, on n'a pas le temps de voir tout, mais derrière, justement, il montre toute la vague, un pogrom, justement, qui s'ensuit suite aux manifestations révolutionnaires. L'armée du Tsar, là, Oui, toujours. Ah oui, mais de toute façon, ce serait impossible autrement de montrer un tel film à cette époque-là. Alors, et puis, dans la même lignée, donc je vous disais, en 1929, il y a un autre film qui s'appelle Piat Nevest, Cinq fiancés de Alexandre Soloviov, où là, c'est peut-être le film contre l'antisémitisme, où vraiment on montre un aspect collectif des meurtres et des agressions, et il y a une intensité de la violence et de la terreur, surtout de la population. Vous allez voir, la terreur de la population, on le voit bien dans ce film, Cinq fiancés. Je pense qu'on ne montrera plus jamais des scènes avec une telle violence. D'ailleurs, dans l'extrait que j'ai trouvé, dans l'extrait que je vais vous montrer, il y a une scène qui a été enlevée a priori. Alors il faudrait peut-être rechercher plus intensément, mais il y a une scène, vous allez voir une mère, comme ça, une femme, dont les enfants sont en train de partir parce qu'ils ont peur justement des officiers qui arrivent à cheval et qui tombe par terre parce qu'elle a du mal à marcher, etc. Et la scène qui a été enlevée, qui paraît-il était d'une extrême violence, en tout cas quand, dans les textes, quand ils en parlent, c'est cette mère qui se fait piétiner par les chevaux. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que justement elle a été enlevée, même si on voit, on sent bien dans ce film qu'il y a une empreinte comme ça, il y a quelque chose de violence. Alors juste, je vous donne le synopsis. Un shtetl est menacé de pogrom par une bande ukrainienne, mais ses habitants peuvent échapper au massacre s'ils livrent cinq vierges aux officiers. Après avoir tenu conseil, le village tire au sort cinq jeunes filles. Alors qu'on les a déjà amenées au scélérat, les partisans rouges prévenus par les jeunes du village viennent les délivrer et mettent la bande en fuite. Le film, qui évoque les exactions commises durant la guerre civile contre les Juifs, rencontra de grandes difficultés à sa sortie et fut rapidement retiré des écrans. Alors, disaient mes enfants, ne m'oubliez pas.
une séquence du film qui est assez intéressante, justement, où ils doivent choisir les fiancés, et on voit bien justement la terreur des habitants. Tout le monde est dehors, réuni, et les officiers viennent pour choisir les cinq fiancés. Encore rien. Et un peu plus loin, on a la scène sur où les bolcheviques ont débarqué pour sauver nos cinq fiancés. On est plutôt à la fin du film.
grand sauveur qui arrive. Alors, juste s'arrêter là. Simplement pour revenir justement quand même sur la question de la judéité et des juifs à l'écran, on peut parler aussi donc, de la période quand même des années 30-40, où je disais, il y a un renforcement de la propagande, des contrôles, de la censure. Ce qui va être intéressant, c'est que on voit aussi que dans cette politique d'assimilation forcée, peu à peu dans les films, on va mettre de côté tous les aspects qui peuvent ramener ou faire référence à une certaine judéité. Hein, donc les barbes, les comportements, les physiques, tout ce qui peut être lié à la judéité, on le met de côté. Pourquoi ? Alors c'est intéressant de voir, même de comparer, il y a une étude qui a été faite justement dans ce livre par rapport à d'autres films en Allemagne à ce moment-là, et aussi aux États-Unis, de Borzage. Il y a un film qui s'appelle Tempête mortelle, où il compare et il voit que c'est la même chose en fait. Il y a une annulation, il y a une sorte d'effacement de l'identité nationale pour mettre en avant plutôt une sorte de modernité cosmopolite. On annule tout ce qui est différence nationale et on présente plutôt un juif sécularisé et qui s'est exclu de la société à laquelle il appartenait. Voilà. Et c'est le cas donc de deux films que deux extraits je vais vous montrer maintenant. 1938-1939, donc là on fait un bond 10 ans après, avec le film Professeur Mamelok de Adolf Mimkin, et aussi La famille Oppenheim de Grigori Rochal. Vous allez voir justement là l'image qui est présentée. Elle est tout de même très différente. Alors, ces films-là, ce sont des films qui, tout d'un coup, critiquent l'absurdité de la politique hitlérienne en Allemagne. Et bien sûr, ça fait partie, du coup, de la propagande russe, la terreur en Allemagne, l'antisémitisme en Allemagne, voilà. C'est un bon moyen de nous départir de cette histoire-là. Mais donc ça passe au niveau de la propagande, pas de censure des films, mais on va voir le professeur Mamelok en même temps, on pourrait dire que c'est un véritable écho à ce qui se passe aussi d'une autre manière, bien sûr, mais à ce qui se passe aussi en URSS à ce moment-là, fin des années 30. Là, on revient à quand même à des violences commises à l'encontre des Juifs et à des politiques, à une politique de purge très forte. Et donc ça fait, d'une certaine manière, complètement écho pour la population, pour les habitants, pour les Russes. Ça fait complètement écho à ce qui se passe à ce moment-là en URSS. Voilà. Donc je vous montre un passage. Je vais essayer de traduire, parce que là, du coup, il y a du son, il y a de la parole. Je traduirai ce que je peux. Donc, professeur Mamelok, je vous dis quand même le synopsis, ça vous aidera pour vous repérer dans le film. Excusez-moi. Le professeur Mamelok, voilà. En Allemagne, un chirurgien juif, très éloigné de la politique, est victime des nouvelles lois antisémites et chassé de sa clinique par un jeune et ambitieux concurrent qui le dénonce. Rappelé pour soigner un responsable du parti nazi, il est à nouveau rejeté aussitôt après. Ayant réchappé d'une tentative de suicide, il comprend la position de son fils, rallié aux communistes, et décide de combattre le régime. Il est abattu après un discours enflammé prononcé depuis son balcon. C'est vous qui ferez l'opération. Mais c'est le professeur Mamelok. C'est moi qui vous le dis, c'est pas professeur Mamelok, ça sera comme ça. Mais je comprends pas. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui comprends. C'est moi qui dirige, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a que les Allemands qui peuvent opérer.
Я еще про медицин здесь. Руководить нам клиник. И мы, врачи, будем выполнять его распоряжение. А вам не кажется, доктор Вартер, что то, что делает еврей Мавр, может делать любой из вас таким успехом? Ce que fait un médecin juif, vous pouvez le faire tous autant que vous êtes. Vous avez entendu mon ordre? Ça, c'est le professeur Manuel. Oui, je l'ai vu aujourd'hui. Il me demande si elle a rencontré quelqu'un. Mettez-moi le masque. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas vous qui allez faire l'opération, c'est votre docteur. Mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Docteur, c'est un ordre. C'est vous qui ferez l'opération, pas lui. Vous ne dérangez pas notre travail, s'il vous plaît. C'est moi qui réponds, monsieur le docteur. Vous vous opposez à mes ordres. Il veut nous virer d'ici, vous imaginez un juif. C'était juif, plus ou moins. Dégagez d'ici. On le voit, dans l'apparence, on ne présente plus du tout les Juifs de la même manière. Ils sont comme des citoyens lambda. Les Juifs, ils sont plutôt présentés, du coup, dans les films, comme des personnages tout simplement impuissants, humiliés et offensés. Et ce film, bien sûr, il fait complètement écho à la campagne des purges, comme je vous disais, parce que fin des années 30, la figure du Juif, c'est la figure de l'ennemi de classe. C'est elle qui revient tout le temps. Quand on parle de l'ennemi de classe, c'est toujours la figure du Juif qui revient.
ce qui mènera du coup aux exclusions, aux déportations et à la torture, et particulièrement qui va se renforcer pendant la guerre et après-guerre. Je vous montre un autre extrait donc, d'un film qui s'appelle La famille Oppenheim de Grégory Rochal. La politique antisémite du pouvoir nazi et ses conséquences pour une famille juive. Un professeur de lettres pousse au suicide le jeune Bertolt Oppenheim. Son père est contraint de vendre son entreprise et de fuir à l'étranger, tandis qu'un autre membre de la famille, le chirurgien Edgar Oppenheim, est jeté en prison. Il y fait la connaissance de communistes prêts à mener le combat. Un autre classique sur la montée de l'antisémitisme en Allemagne. Donc là, ça date de 1938. Donc là, le fils est déjà suicidé. C'est exactement la même situation. On a un ordre d'arrêter les Juifs. On est venu pour ça. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette clinique. Il me demande de dégager. Sortez d'ici. Ne le touchez pas. C'est mon docteur, ne le touchez pas. Donc voilà.
ce film, on va passer sur une autre période, mais là, en recentrant, parce qu'on n'aurait pas le temps de voir tous les films concernés, je crois qu'on a déjà passé au niveau du temps, on continue ? Un petit peu, on finit ou ça va ? Hein ? Oui. Combien de temps parce que... Combien de temps ? Eh ben, un quart d'heure, c'est vrai ? Oui. Un quart d'heure. D'accord. Ok. Donc, oui, bah, oui, il y a tellement de choses à dire que... Plus les extraits, ça va vite. Oui, alors juste recentrer justement autour de la personnalité de Mikhaïl Rum, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi de très intéressant à voir. Alors, bien sûr, là, on voit toutes les horreurs de cette période, mais aussi, on peut voir aussi toute l'interpénétration des deux cultures, le fait aussi que justement, que ce soit la culture russe ou la culture juive, ont apporté l'une à l'autre, et qu'il y a eu aussi beaucoup de gens, je pense bien sûr côté russe, qui ont fait aussi même eux-mêmes des films, en prenant vraiment parti pour les juifs et en prenant des risques. Je pense à Starevitch, je pense à Evgeny Bauer, je pense à de nombreux cinéastes russes aussi. Et justement, ce qui est intéressant chez Mikhaïl Rum, c'est que vraiment, c'est aussi, il fait partie de ces cinéastes juifs qui ont cru déjà au système au départ, se sentaient avant tout soviétiques, ou russes, si vous voulez, mais en tout cas pour l'époque, qui se sentaient avant tout soviétiques et cinéastes. Comment ? Je dis ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. En tout cas, c'était le cas pour l'époque. Souvent, les cinéastes juifs ne mettaient pas en avant leur judaïté, mais plutôt, on peut dire par peur, parfois, mais aussi pendant les périodes où ils pouvaient tout à fait le faire, il n'y avait pas cette revendication, en tout cas. Souvent, c'était des personnes, comme je le disais au départ, qui étaient assez éduqués, qui étaient plutôt dans une démarche d'émancipation aussi, et donc qui croyaient aussi à ces idéaux. Et comme je disais, parfois avec plus de zèle que les bolcheviks. Alors, Mikhaïl Rum, lui, il a été justement dans ce questionnement de toujours comment exprimer sa judaïté, comment se situer. Sachant que, évidemment, lui, il a commencé au début des années 30 et qu'au fil du temps, évidemment, dans la période, au moment de la guerre et après-guerre, ça devient de pire en pire. Il y a de nombreuses exactions, des pogroms pendant la guerre, et évidemment, de plus en plus, Mikhaïl Rum, il va en arriver au final. D'une certaine manière, à rompre et à réaffirmer, lui, sa judaïté, justement. Alors, je vous lirai, juste après un extrait, je vous lirai justement un passage de son journal où il parle de ça. Voilà, c'était en tout cas la question qui était en jeu, c'était aussi de concilier voilà, son appartenance à la patrie du socialisme sans être contraint de participer à la négation de la culture juive. Et pour le coup, lui, c'est un cinéaste juif assimilé, on pourrait dire, et soviétique, reconnu, qui a été très important, reconnu par l'État, reconnu par le peuple même, très apprécié, représentant, il est devenu un des grands maîtres de l'école russe Ovgik, il a réalisé 17 longs-métrages, il a été tout à fait conforme aux attentes idéologiques. Il a même fait un film, par exemple, en 1937, Lénine en octobre. Il a eu 4 prix Staline, un prix de la Fédération de Russie, après d'autres prix à Cannes pour matricule 217. Il a fait partie de l'Armée Rouge, il est devenu sculpteur après, c'est pour ça qu'il a commencé sa carrière de cinéaste sur le tard, on va dire, à partir de 1930. Il devient membre du parti communiste en 1939. Il va diriger les productions des films. Il va faire partie du conseil artistique du comité cinématographique.
et être membre aussi de l'Union des cinéastes. Donc il est à peu près partout, à des postes très officiels, donc on pourrait dire vraiment c'est un cinéaste tout à fait officiel, et en même temps qui va aussi subir la censure pour deux films, dont un que je vais vous montrer, qui s'appelle Rêve, et La question russe. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait y faire, qui sait comprendre à chaque fois comment se placer, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui à chaque fois prend la parole, et va mener un grand combat contre l'antisémitisme, et un débat public, jusqu'à écrire des lettres à Staline, jusqu'à se manifester, dénoncer des personnes précises dans la presse locale, qui était très antisémite à l'époque, après-guerre, et aussi il va prendre la défense de réalisateurs, de cinéastes d'origine juive, comme Leonid Trauberg, pour le film Des gens ordinaires, qui il va avoir des problèmes non seulement avec la censure, mais ça a failli aller plus loin, et aussi il va défendre un film comme La deuxième partie de Ivan le Terrible, qui va. Où Eisenstein a eu justement beaucoup de problèmes à l'époque avec le gouvernement en place, avec Staline, et lui il va justement agir et donc prendre parti, ce qui était très osé, et il faillit même à un moment, ils ont failli aussi justement faire partie dans les purges qui avaient lieu au même moment. Mais il a été protégé, notamment après Staline, à l'époque de Khrouchtchev. Voilà. Parce qu'il allait justement trop loin dans son discours. Voilà. Et puis comme je disais, après il a initié, il a été un des maîtres de l'école de Moscou, et c'est lui qui va être le maître de personnes comme Tarkovsky, Tchoukraï, Shukshin, Panfilov, Tanguy Abouladze. Voilà. Donc c'est quelqu'un, comme je disais, vraiment entre les deux, et qui à la fois va être un réalisateur très officiel, mais par exemple, premier film qu'il va faire, où il va déjà exprimer dans son cinéma, il n'exprime pas trop sa jeunesse, sauf notamment dans le film, par exemple, Le Rêve, qu'il réalise en 1941. Il finit tout juste le film, le matin, il fait le mixage, le matin, la guerre est déclarée. Et donc, le film est censuré pour un temps. Et c'est que à partir du moment. Parce que en fait, son film se déroule dans les territoires d'Ukraine qui ont été pris par les Allemands. Et donc, il pourra ressortir son film et le montrer qu'à partir de 1943, quand ils reprennent ce territoire qu'ils avaient perdu. Voilà. Alors, c'est juste un petit détail, mais c'est un film qu'il aurait aimé réaliser de manière néo-réaliste, hein, dans des décors naturels. Et qu'il a été obligé de tourner en studio, ça c'était son petit regret. Mais par rapport à notre thème de la judéité, dans ce film, c'est pas explicite en fait, mais on peut voir, il y a tout un ensemble de personnages qui sont réunis ensemble dans une petite bourgade, dans une petite maison, et qui ont des itinéraires chacun très particuliers, avec différentes origines, différentes nationalités. Et ce qu'il montre dans son film, en fait, c'est que la langue russe, du coup, ça serait la seule solution qu'il voit, justement, susceptible d'assurer la cohésion entre toutes ces nationalités, justement. Voilà. Bien sûr, la judéité, elle est exprimée aussi à travers le personnage, d'ailleurs, c'est une actrice très très connue à l'époque, qui s'appelle Faina Raniewskaya, qui joue la tenante, justement, de l'auberge, où se retrouvent tous ces personnages. Bonsoir. Ah bah voilà, il y a la traduction. Mais c'est mal traduit, malheureusement. J'ai pas de monnaie. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, c'est la fameuse actrice qui est d'origine juive que vous voyez à gauche là. Merci.
подвигу, поверить мне профтвека. Я не проходил. Правильно, вы не проходилец. Но вы 15 лет состоите на иждивении у матери. Начинаем игру, панове. В таком случае я заявляю вам во всеуслышание, что вы порядочная пьянь. Тот, кто выпрашивает у матери деньги на кино. Инженер, вы даже почтальников себе купить не можете. Аня Зигмунд, ведь это тебя непристойно. Непристойно женихов заманивает, прелестная панна Ван. А правду говорит, кто пристойно. Не заманивайте женихов, приданный. А где оно? Вы его прокушали, очаровательная шоферка, согласно объявлению. Non, c'est des traductions YouTube là, qui donnent. C'est des traductions automatiques qui donnent sur Internet. C'est surréaliste. Qu'est-ce qui nous travaille? Qu'est-ce qui nous travaille? Qu'est-ce qui nous travaille? Vous, qui êtes-vous? Vous, pourquoi vous позволили себе орать? Не волнуйтесь, достопочтенная пара. А то вы сделаете разрыв сердца и лопнут глаза. Не пугай, я не боюсь. Я плачу вам 15 злотых за комнату. Вы скорее ударитесь, чем лишитесь такого жильца. Сокровище! Загадил комнату так, что войти невозможно. По 3 недели не меняете белья, а сами жрете конфеты. Где вы работаете? Вот ткач, я знаю, что это ткач. Вот невеста, я знаю, что она невеста. Вот и вот дверь, гостик. Вот и возчик. Я знаю, что вы возчик. Я хозяин. А я художник гравер, и вы это сами прекрасно. А, я же вы что, вы не гравер? Какой вы гравер, если вы торчите в специальной мастерской? Нет, вы не гравер. Нет, знаешь, что вы будете костюмы гравер? Костюмы, я хочу на академию пения. Пения, вы кончили. Все должны молчать. Третий месяц не платите за койку. Это первое. Во-вторых, вы извозите на свое место. Идите. Bon, voilà tout ce beau petit monde réuni grâce à la langue russe. Ce qu'il faut rappeler peut-être aussi au niveau historique, c'est quand même justement ces campagnes antisémites qui ont été faites contre l'ensemble des arts, pour russifier les arts soviétiques. Et il s'est longuement battu justement contre ces campagnes. Il y en a eu une première en 1943, où il y a déjà eu une quinzaine de personnes juives, d'origine juive, qui ont été évincées et remplacées dans tous les postes à responsabilité, et dont des personnes extrêmement importantes pour l'époque, Léonid Trauber, par exemple, et Yuli Reisman, qui étaient des cinéastes extrêmement importants. Ils ont été remplacés, évincés. Et puis, il y aura une campagne antisémite beaucoup, beaucoup plus forte encore, en 1948-49, dirigée contre l'ensemble des arts, mais pas simplement, vraiment, là, dans tous les domaines de la vie. Il fallait des différents métiers, il n'était plus possible qu'il n'y ait aucun juif qui ait des postes à responsabilité. Donc voilà, ça c'était pour resituer, parce que ça a été vraiment un de ses combats, un combat vraiment où il a pris beaucoup de risques. Alors, juste pour finir, j'allais dire une note positive, je ne dirais pas vraiment positive, mais ce qui est intéressant derrière cela, c'est qu'il y a eu la période du dégel qui a commencé après le décès de Staline en 1953, la période avec Khrouchtchev, qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait plus de campagne antisémite, mais par contre au niveau du cinéma, on a toutes ces personnes que je viens de citer, dont Mikhaïl Rom va être le maître, en tout cas va être un des professeurs, et il sera un peu aussi la conscience un peu de tous ces jeunes élèves, qui, eux, dans cette période, on va dire quand même plus souple, au niveau de la censure, vont pouvoir réaliser des films extraordinaires. Je pense que la période du dégel en Union soviétique, c'est en effet toute une école qui s'est formée, qui
une école au niveau esthétique, voilà, au niveau théorique, qui est déjà très élaborée, vraiment. Voilà, il y a tout un passé qui fait que ces élèves ils vont tout d'un coup, avec cette petite marge de manœuvre, cette liberté qui leur est accordée dans l'expression, que ce soit sur le fond, sur la forme, qui vont créer de formidables films. Je vais vous en montrer un qui reste aussi dans notre thématique, qui est un film qui s'appelle Au revoir les garçons, d'Asilda Diamalchiki, qui date de 1964. C'est Mikhail Kalik qui a réalisé ce film, et c'est, on l'a appelé même aussi la nouvelle vague, en Union soviétique. Et c'est la classe est finie, et trois amis odessites, dont un juif, le baccalauréat en main, abordent les vacances le cœur léger. Hymne à l'amitié, tourné avec la liberté retrouvée du cinéma du dégel, c'est aussi un film très nostalgique. Ces vacances qui commencent seront interrompues par l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Nous sommes en juin 1941. Et tout le film, à la fois il y a toute cette légèreté de l'époque, du dégel, et en même temps, il est entrecoupé d'archives où on voit toute la montée du nazisme, l'entrée en guerre, justement le départ des soldats russes, etc. Et voilà, qui est entrecoupé d'archives où on voit la guerre qui arrive. Et les jeunes, justement, qui vont devoir être impliqués dans cette guerre. Alors. Ça serait une bonne introduction simplement pour La Commissaire, qui a été réalisée en 1967, donc qui fait partie de cette vague, avec Alexandre Askoldov, qui va réaliser son premier film. Alexandre Askoldov, dont le père était un héros bolchevique, de l'époque bolchevique, qui a malheureusement été tué. Et là, qui va réaliser un film très très osé pour l'époque, qui est très critique, qui fait un peu le bilan de la Révolution 50 ans après, 1967, et qui est très critique par rapport à la Révolution, et en plus montre une image très positive des Juifs. Voilà. Donc c'est très intéressant à tous les niveaux, que ce soit sur le fond, sur la thématique, mais aussi sur la forme, parce que là, c'est vraiment l'aboutissement aussi de toute une école du cinéma qui est assez passionnante. C'est aussi toute une nouvelle génération d'acteurs. On voit des acteurs qui vont devenir très très connus. Et dans le
film, on montre bien à travers les archives toute la montée du nazisme, de l'antisémitisme. Et oui, parmi ces trois jeunes, j'ai oublié de le dire, mais il y a justement un jeune juif, je crois le troisième, de l'année dernière. Et donc il va se retrouver aussi dans une situation particulière pendant la guerre. Elle ne se baigne pas parce qu'elle s'est mis de la pommade, de la crème.
Bon, j'espère que c'était intéressant. Je suis désolé pour les sous-titres, mais c'était un peu compliqué de réunir aussi vite autant d'extraits déjà sous-titrés. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas été édités en DVD, donc il fallait récupérer par un moyen ou un autre. On a fait avec les moyens du bord.